N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Samedi 8 juin 2024, Kate Middleton, confrontée à des problèmes de santé, n'a pas pu assister à la cérémonie des soldats de l'Irish Guards. Toutefois, la princesse de Galles a exprimé son soutien en leur adressant une lettre pour s'excuser de son absence et pour souligner sa fierté envers leur engagement, comme l'indique un rapport de l'Irish Guards sur X, anciennement Twitter. La santé de Kate Middleton est souvent mentionnée dans les médias. En janvier 2024, elle a subi une opération chirurgicale nécessitant une longue convalescence. Le 22 mars 2024, elle a brisé le silence pour révéler qu'elle était en traitement pour un cancer découvert suite à sa chirurgie. Sans divulguer de détails sur sa condition, elle a sollicité la discrétion autour de sa vie privée afin de se concentrer sur son rétablissement. Depuis, elle se montre très réservée. Cependant, le 8 juin 2024, elle a choisi de communiquer via une lettre pour présenter ses excuses pour ne pas avoir été présente lors d'un moment significatif pour les soldats de l'Irish Guards. Kate Middleton a exprimé ses regrets de ne pas pouvoir participer aux cérémonies Trooping the Colour cette année. « Je tenais à vous écrire pour vous exprimer ma fierté envers le régiment avant la revue des troupes », a déclaré la princesse de 42 ans au début de sa lettre. « C'est un honneur d'être votre colonel. Je suis désolée de ne pas pouvoir assister à la revue cette année. Veuillez transmettre mes excuses au régiment », a-t-elle ajouté. Elle a également exprimé son souhait de pouvoir représenter le régiment à nouveau très bientôt et a conclu en souhaitant le succès à tous ses membres. En raison de son état de santé, c'est le lieutenant-général James Bucknell qui l'a remplacé cette année. Bien que Kate Middleton n'ait pas été vue en public depuis décembre 2023, son époux, le prince William, donne régulièrement des nouvelles d'elle. Lors d'une cérémonie britannique le 5 juin 2024, en répondant à un vétéran préoccupé par sa santé, il a affirmé avec un sourire « Elle va mieux, merci. Elle aurait aimé être ici aujourd'hui. » Il a également partagé que leur fille Charlotte, âgée de 9 ans, passait des examens ce jour-là, espérant que tout se soit bien passé.